Je vous remets symboliquement donc ces nouveaux appareils stratégiques pour la défense de notre patrie. Faites un bon usage. Comme on l'avait dit, il reste encore une dernière phase de ce qui était prévu sur ce premier plan d'équipement. Ça fait une fierté pour nous parce que nous voyons vraiment l'effort que ça fait avec cet apport de multiplicateur de force. Vous aurez senti que même dans les villes les plus reculées, chacun demande avions sans bruit. Oui, nous les avons. Avec ce que les populations ont pu contribuer, nous avons une multitude d'engins de ce genre actuellement même dans le ciel, qui scrute, qui recherche au besoin retrouver et détruire tout ennemi. Aussi saluer le chef suprême des armées qui par rapport à sa vision et ses instructions fait en sorte que rien ne puisse nous manquer en matière de moyens stratégiques d'appui aux forces sur le terrain. Nous prions de que nous puissions toujours continuer de bénéficier de ces conseils, de ces équipements pour le meilleur possible de l'ensemble des combattants qui sont engagés pour la pacification et la reconquête du territoire national. Sentiment de joie qui nous anime de procéder ce matin donc à la réception d'abord et à la mise à la disposition de la défense d'un certain nombre d'appareils constitués essentiellement de Bayraktar TB2, ce célèbre appareil que vous connaissez déjà, mais maintenant avec la nouveauté de Akinchi qui sont là depuis un bout de temps en phase de test, et tous les tests ont été concluants. Et donc, c'est une fierté ce matin de confirmer que ces appareils rejoignent donc la flotte de l'armée burkinabé. TB2 n'est plus à présenter, je pense qu'il fait ses preuves depuis le début de cette guerre, et je pense que la nouveauté, c'est le Akinji. Et il a surpassé ses capacités techniques même que le constructeur avait prévues ici. On l'a soumis à de fortes épreuves, en ses capacités d'emport, d'endurance, de plafond, de vitesse, de performance. En tout cas, il a fait ses preuves. Et je pense qu'au cours du test, il a participé même à des missions de combat. Donc ce sont des appareils très performants, fiables, que nous avons actuellement. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la coopération avec la Turquie se porte très bien. Se porte très bien et c'est l'occasion de remercier donc son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, qui a su donc conduire donc cette coopération comme il le fallait. On le remercie pour tout le soutien qu'il a pu apporter au Burkina Faso pendant cette phase importante de notre histoire dans cette guerre contre le terrorisme. Ce genre de partenariat dont on a besoin, sain et sincère, et en tout cas jusque-là tout se passe très bien, c'est un mot de satisfaction. C'est remercier le peuple parce que tout ce que vous voyez, c'est grâce au peuple que nous pouvons acquérir ce genre d'appareils. Ces appareils vont augmenter notre capacité opérationnelle, ça c'est sûr. Certains appareils se retrouvent en maintenance, nous n'avons pas un certain nombre d'appareils pour faire le relais. Donc l'agrandissement de la flotte permet donc d'intervenir en temps opportun, d'avoir une surveillance permanente. Donc merci encore au peuple burkinabé qui a compris le sens du combat et merci surtout pour cette contribution qui permet aux forces armées de pouvoir monter en puissance pour la défense de notre territoire.
célébrer symboliquement donc, ces nouveaux appareils stratégiques pour la défense de notre patrie. Faites un bon usage.